Bonjour, tes découvertes Deep Rock Galactic d'Amned. Je vais vous présenter ça, accompagné d'un Morgan. Petit FPS, solo, qui est surtout coopératif. 4 rôles compatibles manette. Il est en français. 29,99€ sur Steam. Que des DLC cosmétiques. Acheter aucun DLC. Ghost Ship Games qui m'ont donné une clé. Voilà. Je suis avec Morgan. Jure. T'as pas mal d'heures dans le jeu, t'en as combien? Des heures. Ouais, niveau en haut à gauche, là, 102. Niveau en haut à droite, je suis niveau 3. Une fois que vous avez fait le tuto, vous arrivez dans ce... station, voilà. Space Rig. J'ai tout dit, vous pouvez faire pas mal de petites choses. Petite chambre. À l'intérieur, choisir votre personnage, vous avez le choix entre 4 classes. Le soldat, faire très mal, il a une grosse sulfateuse, magnum, tyrolienne, bouclier portatif. C'est super classe. L'éclaireur, mal traduit en scout, la vitesse. Une mitrailleuse, un gros fusil à canon scié, un grappin, un lance fusée éclairante. C'est vrai. Le foreur, gros lance-flamme, petit pistolet, grosse paire de foreuses. Très pratique. Petite charge de C4. L'ingénieur, un fusil à pompe et un lance-grenade, lanceur de plateforme. Petite tourelle, c'est pratique. On est des nabots de l'espace. On va aller sur cette grosse merde-là. Extrêmement riche en minerais, extrêmement dangereuse. Saloperie. Tout à fait. Gros shooter slash exploration en coopération. Il y a du free inférieur d'ailleurs. Des grottes générées procéduralement, extrêmement sombres et remplies de bestioles qui veulent nous manger. Tout l'environnement est destructible. Il y a vraiment du défi pour tout le monde. Voilà. Non mais celui-là, c'est la grosse boîte de conserve. Je peux pas tester. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai absolument rien. Les armes principales et secondaires ont chacune une version alternative. Voilà. Le petit drone, quand vous jouez en solo, Bosco, des bières. Ah, vas-y, allez, commande quelque chose. Tenalrat, elle réduit les dégâts de chute. Vous pouvez être bourré. Il y a un commerce de minéraux, il y a aussi une boutique. Autant on voit que t'as des étoiles effectivement au-dessus de ton personnage en haut à gauche. C'est la promotion. C'est la promotion. Moi, j'ai la promotion argent 1. Pour se la péter ou pour scorer. Ah, quoi. Oui. Tu déverrouilles la plongée abyssale. Bien badass, la forge aussi. Et puis je crois que ça va être à peu près tout. Si ce n'est le sélectionneur de mission, bien évidemment. Hein. Tableau des affectations aussi. Alors, tableau des affectations. Voilà. Hop, je vais ouvrir ma petite carte. La chasse aux œufs. Vous avez la durée de la mission et la complexité de la grotte. Quoi Deux. Deux, c'est deux. Deux, hein. Surtout qu'on est deux. Hop. Peut-être cette vidéo. Enfin, cette découverte. Voilà. Il faut pas régler cette difficulté sur le nombre de joueurs. Non. Quatre noobs ne peuvent pas se faire une mission de niveau 4. Oh putain. Ok, on est accueilli directement. C'est parfait. J'ai su. Tombé. Ouais. Je vais te rejoindre. Après un petit peu, donc vous avez toute une petite map en 3D, vous voyez. Quand vous êtes plein, la mule. Hop. Hop, la hausse, on propre. Alors, on est des normes pas s'accroupir, hein, je précise. Hop, vous voyez, mon nitra est plein, je vais vider dans le dépôt. Hop, vous voyez, ça marque en haut à droite le dépôt de l'équipe. Vous pouvez faire des clics. Pistolet grappin, c'est magique, ça ne sert à rien. J'ai un 9 ici. Par là, il y a du gros, un prétorien. Hop, grenade. Hop, oh, grenade, je tue pas. C'est que les oh, grenades. À moi. Steve. Boom. Tous les ans, des milliers de Steve sont maltraités par les noobs. Ça fait Steve. Ah merde, c'est vrai, bah oui, voilà. Ouais, c'est parce que je suis con. Excuse-moi, je vais le calmer. On mine. Clasher d'armes. Ça, yes. Attends, je vais vider mon petit stock. Tu vois les petits éclats verts là? Ouais. Creuse. Ah, ça veut dire quelque chose de caché. Alors, en général, quand plus on creuse et plus les éclairs se concentrent entre eux, ça veut dire quelque chose. Ah bah voilà. Et là! Ça c'est secret des joueurs qui bon connaissent. Gros morceau de jadis. Ah. C'est juste des bitards secs, alors ça ils sont parfaitement oui, inoffensifs, c'est vrai. Mais l'âge de l'or et de Nitra. Oui, puis tu m'as déjà dit, ça sert à rien de cacher des munitions sur eux en plus. Steve est mort. Agne. Oui, voilà, si je veux savoir si c'est du sucre rouge ou du Nitra, bon là ça se reconnaît peut-être un petit peu quand même, c'est du Nitra. Ça me le dit avec le petit capteur. C'est pas tout. Il faut une bille. Vous jouez un nain de l'espace. J'adore les nains donc. Là, j'ai. On a riche. Une grosse pépite. Tradition. C'est vrai, oui, c'est vrai. Quand on clique effectivement sur une grosse mine d'or, il dit ce sont. We're rich. Oui, ouais, c'est... oui, c'est très bien. Il y a mis en Australie. C'est un sac, vous allez voir, il éclate et il donne un peu d'or et un peu de nitra. Ah, toi t'as récupéré un œuf.
Non. Tu mens. Oui, appelle un ravitaillement pour leur montrer. Yes, alors, hop, touc. Alors, on ne reste pas sous le ravitaillement. Et vous voyez, si vous tombez dessus, ça fait très 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 mal. Aucun pardon là-dessus de la part du jeu. Elles sont toutes excellentes. Ouais, ouais, ouais. C'est la détente. Oui, c'est ça. Oh, oppresseur. Ah oui, oula, il est gros lui. Ah oui, d'accord. Extrêmement mal. Ça. Et en plus, il laisse vous traîner derrière. Et de... On en est à 4 œufs sur 6, on a déjà l'objectif secondaire. Oui. Hop là. Allez hop, c'est où? Je suis là. Facile. C'est quoi? Est-ce que quoi? Ah, t'as... Pff, d'accord. Je regardais en haut. Saute sur la plateforme. Ok, ça amortit. La lance-plateforme est améliorée pour amortir les chutes. Mais attention, c'est pas un truc de base. Ah oui, c'est vrai. Si vous lancez le jeu et que vous essayez de faire ce qu'on vient de faire, vous allez juste vous casser les jambes. Vous voyez qu'il y a plein de rats. Ce sera pas trop beau. Tu vois les trucs tous les trucs de ah, dégueulasses. Oui, d'accord. Faut creuser là-dedans. Le nick. Ouais. Attendez, on va vraiment manger, hein, c'est bien. Pas mieux. Ouais. Ça y est, je l'ai. Comme d'hab, ils sont très cons. Et voilà. Objectif complètement que... rempli. Donc là, on a rempli tous les objectifs. Cependant, on ne va pas s'arrêter de miner pour autant. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment faire très court, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez envie d'aller plus loin, ben. Vous pouvez. On est sur cette forêt là. Tu peux appuyer sur le gros bouton rouge. Alors, je vais appuyer sur le gros bouton rouge. Il a appuyé sur le gros bouton rouge. Là-bas. C'est le mieux que je puisse faire. Allons-y. Ça... Il faut attendre effectivement que la mule revienne. Alors, sachant que des fois la capsule est beaucoup plus loin pour nous, donc la capsule y va. Et une fois que la capsule est arrivée, vous avez un certain délai pour y arriver, sinon elle se part. Enfin, clairement, vous êtes très secondaire hein, pour la station. L'argent avant tout. Hop. Mission terminée. Ce multiplicateur de plus de 70% multiplie tout. Ça augmente l'argent reçu, l'XP reçu et les matériaux. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, j'en profite pour vous montrer autre chose. Point de compétence. Donc, vous voyez, c'est la deuxième chasse au jeu que je termine. Deux objectifs. Hop, donc on gagne des étoiles. Et qu'on peut ensuite aller dans les compétences débloquées. J'ai juste pris l'épine pour en choisir une de niveau 2. À partir du moment où j'en aurais rempli. J'ai choisi 3 là. Vous pouvez pas toutes les équiper. Santé. Santé à tout le monde. On va se boire la petite bière qui va bien. Et on clôturera la vidéo sur ça. Wow. Tout va bien. Et voilà.